la force la plus puissante de l'existence et le membre essentiel. On est né grâce à l'union intime et on va faire créer des vies grâce à l'union intime. Donc, les êtres humains, quand on parle toujours d'envie et de désir et de choses de ce genre, toujours les êtres humains se dirigent vers l'envie intime. Et c'est totalement normal. Sauf que comme dans chaque chose, nous avons le côté positif et le côté négatif. C'est comme toute chose. On mange des fois des choses qui sont bien pour la santé, des fois on mange des choses qui sont moins bien pour la santé. Des fois on a mal au ventre, donc on va faire un jeûne sans vouloir. Et des fois ça va bien et on mange deux fois plus que ce qu'on a besoin. C'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, comme on sait que c'est comme ça, et on sait que le peuple d'Israël a représenté le membre essentiel quand il est descendu en Égypte, qui représente le membre essentiel féminin, et le peuple d'Israël a représenté le membre essentiel masculin, et à la sortie d'Égypte, qui commence Shemot, ça veut dire que maintenant il y a un moment qui nous permet de se délivrer, d'avoir la délivrance de cette envie, pas l'envie positive de la mitzvah, mais des envies négatives de la mitzvah. Par exemple, une femme est venue me voir, mariée, et avant qu'elle se marie, 2 ans avant, elle avait un petit copain qu'elle était folle amoureuse de lui. Maintenant, elle est mariée. Et étant mariée, elle a accouché un enfant, et au milieu de l'accouchement, il lui est venu dans la tête. Et depuis, il la quitte plus. Maintenant, elle se pose une question. Est-ce que je suis intime avec mon mari ou je suis intime avec lui? Parce que quand son mari fait avec elle l'amour, elle voit dans son imagination l'autre. Et il y a des histoires à l'envers. Que l'homme fait l'amour avec sa femme et il voit une autre femme. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette histoire. Et ce que nous, on doit savoir, c'est que c'est impossible de dire qu'il y a un problème s'il n'y a pas la remède du problème. C'est impossible de dire qu'on est en train de faire une action et on ne pourra pas réparer cette action. C'est interdit de penser comme ça. Chaque action qu'on fait, on peut la réparer. Et c'est pour ça qu'on a 6 semaines maintenant, qui est contre Vav, en hébreu Vav 6. Et Vav, c'est le membre essentiel. C'est Chesed Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod. Le Yesod qui est le membre essentiel est la 6e attribut des 7 attributs inférieurs. Donc, on a 6 semaines, Shovavim. Et dans ces 6 semaines-là, on peut tout réparer. C'est un moment, on va ouvrir, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre-là, on élimine tous les démons qui sont autour de nous. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, la première chose, c'est que comme les gens normaux ne savent pas comment réparer ce problème, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'adressent à des rabbins. Et il donne le pidyon nefesh, il paye de l'argent, et cet argent-là rachète le sang des tzadikim, que eux ils font le ta'anit pour nous et tout ce qu'il faut. Ça c'est une chose. La deuxième chose est que pendant beaucoup de générations, malheureusement, on ne parle pas de la réparation du tikkun abrit de la femme. Tout le monde, tout le temps, accuse l'homme. Et d'après le Ari HaKadosh, et d'après le Zohar HaKadosh, la faute n'est pas seulement chez l'homme, aussi la femme a cette faute. Qu'est-ce qu'il dit le Ari HaKadosh? Je lis Shar HaKavanot, Drush HaLaila. C'est un livre qui explique les Kavanot, comment avoir les bonnes attentions en faisant beaucoup de choses. Et Drush HaLaila, c'est quand on dit Kriyat Shema, les démons qu'on a créés nous-mêmes par les pensées qui ne sont pas avec notre femme, les actions qui n'ont pas été avec notre femme. Malheureusement, des fois, même quand on est marié, il y a le liquide masculin qui sort. Ça, c'est pour l'homme. Mais pour la femme, il y a exactement les mêmes problèmes. Elle a exactement les mêmes problèmes. Le Ari HaKadosh dit qu'il y a 6 interdictions. Quelles sont les interdictions? Aller avec un animal. Aller avec un homme. Faire le liquide sortir tout seul. Aller avec la femme d'un autre, aller avec une femme qui n'est pas de ton origine, et Mishkav
animal, on dit Nida. Et être avec une femme Nida. Une femme qui ne se purifie pas pour son mari. Ça, c'est 6 interdictions. Mais quand vous regardez ces interdictions, vous avez la même chose. Il y a l'interdiction de la femme d'emmener un animal sur elle. Comme nous, on a interdit de rentrer dans un animal. Elle a l'interdiction de faire pénétrer un animal dans son corps. Et les gens pensent que ça n'existe pas. Mais malheureusement, ça existe. Aller avec un homme ou avec une autre femme. L'homme a l'interdiction d'être avec un homme, la femme a l'interdiction d'être avec une femme. Être avec un homme marié, c'est comme nous, l'homme, il n'a pas le droit d'être avec une femme mariée. Faire sortir le liquide masculin, elle a un liquide féminin qu'elle fait sortir quand elle est toute seule. Et à la fin, se donner à un homme quand elle est nida. Elle doit elle-même se préserver de se donner quand elle est nida. Très simple, d'accord ? Donc on voit qu'il y a un équilibre. Comme nous on a les fautes, eux elles ont des fautes aussi. Et aucun homme peut fauter s'il n'y a pas devant lui quelqu'un. Donc, la faute que la femme fait ou la faute que l'homme fasse, c'est la même chose. Et là, le Ari HaKadosh, c'est lui qui va nous dire, dans un texte, il va nous dire « Venimta ki ikar tikkun » Qu'est-ce qu'il veut dire? Chaque fois qu'on a eu des relations invisibles, je préfère les appeler comme ça parce que ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Quand on a eu des relations invisibles, ça veut dire qu'en face de nous, on n'a pas eu une femme ou une autre femme. On a fait naître des entités. Maintenant, ces entités-là sont en train de nous contourner. Contour. Et elles prennent l'abondance qui vient du ciel vers nous, c'est elles qui prennent première. Donc la personne, elle attend à recevoir, je sais pas, un chèque de 1 million de shekels, elle reçoit à la fin 100 000. Elle dit, où l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Comment il s'est dépensé? Et il se dépense. Et on se dit, où? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous connaissez? Quand on dit, il n'y a pas de bracha, c'est-à-dire que l'argent ne se colle pas à ma main. Il vient, il sort, il vient, il sort. C'est qui? C'est les entités qui le prennent. Alors maintenant, on a 6 semaines pour rectifier ça. Très simple. On peut tous les nuits rectifier. Quand on dit Kriyat Shema sur le... avant de dormir, on les élimine. Mais maintenant, c'est un moment qui est capable. C'est un moment qui est fait pour. Alors il dit, Valié Deken, Yochal Aish Aze, Lalot Imnafsho, Otam Aneshamot, Lemal El Kdusha, Letaknem Bochol Laila. Le Ari HaKadosh, la Shita qu'il a, de réparer les entités, c'est pas Chas v'Shalom de les annuler, parce qu'on ne peut pas annuler ce qu'on a créé. Il dit, fais rentrer de la Gdusha, de la sainteté dans ton esprit, dans ta vie, les entités vont monter dans l'esprit propre. C'est comme prendre quelqu'un qui est un voyou, le transformer en tzaddik. C'est exactement la même chose. Donc les entités qu'on a fait naître, au lieu de les faire souffrir dans l'obscurité, on va leur donner de la lumière et ils vont monter à leur place céleste. C'est magnifique. Moi, je vous dis la vérité, j'ai reçu la sagesse de mon rave le yéménite. On travaille seulement comme ça. Même avec les gens, ceux qui me connaissent, quelqu'un vient, j'ai fait ça et ça et ça. Je dis, ça va, calme-toi. T'as inventé quelque chose? Non. Alors, qu'est-ce que tu as fait? On est comme ça. On est plus pour positiver les gens que mettre l'angoisse. Vous savez, maintenant, la Chauvin, vous allez voir les pancartes sur les rues, il faut faire tikkun, et les gens, ils vont mourir, et ils vont... Qu'est-ce que... Ça date depuis le début du monde, c'est nous qui allons mourir maintenant. Non, il faut tendre la main pour aider les gens à faire la réparation. Mais ce que je vous dis cette année, c'est que c'est une année qu'il faut commencer à introduire dans la tête des femmes qu'elles ont besoin eux-mêmes de rectifier ce problème. Parce qu'à quoi ça sert que l'homme rectifie et il vit avec une femme qui n'a pas rectifié? Donc les entités sont là présentes. Alors quoi ça sert? Alors il dit, Veda, ki kmo shiyotzin mazikin elu min adam amotzi shikhvat zera le batala, et yoto beli isha. Comme ces entités se créent quand l'être est avec une femme, c'est-à-dire quand l'être est sans une femme, et ça s'appelle le liquide masculin qui sort pour rien. Il dit, Kachaïcha,
De la même façon, la femme, elle crée des entités quand elle est sans un homme. Et on voit qu'il y a l'équilibre. Quand l'homme est sans femme, il y a des problèmes. Et quand la femme est sans un homme, il y a aussi des problèmes. Où on a trouvé ça? On a trouvé ça aussi dans le Tikkun Zohar. Quand le Tikkun Zohar dit que quand la femme est libre, le mauvais penchant a la permission de l'utiliser. Et quand l'homme est libre, le mauvais penchant féminin a l'autorisation d'utiliser l'homme. Qu'est-ce qu'ils font? Le Ari HaKadosh explique dans le livre de Shemot, Shara Psukim, il dit que la volonté des entités est de prendre des âmes. Comment ils prennent les âmes? Ils font l'amour avec l'homme physique, que c'est lui le seul qui est relié aux âmes, et ils tirent par le liquide qui sort de leur corps, ils vont tirer une âme. Et c'est leur vie. C'est leur but de leur vie. Donc nous, tous les hommes, ou toutes les femmes qui sont de chair, on est en effet une cible. Et quand on est une cible, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui va nous tenter. C'est pour ça que là, la règle de la Torah dit, tu n'as pas le droit de voir ni des oiseaux, ni des animaux faire l'action intime ensemble. Maintenant, chacun de nous va se dire, quel est le rapport? La halakha dit, tu vas avoir peut-être envie. Maintenant, on va tous se dire, mais comment? C'est pas possible. Comment on va avoir? De quoi? D'un animal? La preuve est qu'il y a des êtres humains, et même il y a des endroits où c'est complètement permis ça. Ils font l'amour avec des animaux. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est honteux, mais c'est la vérité. Maintenant, on se dit, d'où ça vient? D'où vient l'être, l'envie d'un animal? C'est impensable. Impensable, non? Si la halakha, si le Shulchan Aruch te dit, tu n'as pas le droit de regarder deux animaux faire l'amour, parce que tu vas avoir envie, ça ne vient pas de nulle part, non? D'où est l'origine de ça, vous savez? Le premier homme, il est écrit dans Bereshit, que le premier homme, avant d'avoir sa femme à lui, Akadosh Baruch lui a donné la possibilité spirituelle de s'accoupler avec toutes les existences sur terre. Les oiseaux, les animaux, tout. Et à un point que Noach, quand il était dans l'arche, le premier oiseau qu'il a fait sortir de l'arche était le corbeau. Il lui a dit, va chercher la terre. Et quand le corbeau est revenu, il a vu que les poussins du corbeau sont blancs. Qu'est-ce qu'il a dit, tu sais? Que Noach a envoyé le corbeau féminin parce qu'il avait envie du corbeau féminin. Et le corbeau masculin, il l'a renvoyé pour avoir envie du corbeau féminin. Vous comprenez que Noach a un corbeau, c'est un peu difficile. Mais il a été jaloux. Donc il est retourné dans l'arche, il ne voulait plus sortir. Et jusqu'aujourd'hui, les poussins de corbeau sont blancs. Et seulement quand ils grandissent, ils deviennent gris et noirs. Pourquoi? C'est à cause de l'histoire très ancienne. Après, le pigeon est parti, il est revenu, il est reparti, il n'est plus revenu. Après, il a emmené la mèche de l'olivier et Noir a compris que maintenant, la terre s'est calmée et on peut redescendre de l'arche. Ça veut dire qu'il y a eu, dans l'histoire du temps, des accouplements entre hommes et animal. Chez les Grecs, il y a beaucoup, beaucoup de formes. Que par exemple, il y a un cheval avec un corps d'un homme. Il y a la sirène avec un demi-poisson, demi-femme. C'est même écrit dans le Talmud. Talmud, ma sérité, vraiment, il est écrit que l'homme peut s'accoupler avec, je pense, le dauphin, le chien, et je ne m'en rappelle plus, avec un oiseau. Et ça peut sortir de ça quelque chose. Donc vous voyez que l'envie de l'être existe dans ça. Et c'est pour ça qu'on interdit. Parce que quand il n'y a pas d'envie, on n'a pas besoin d'interdire. Et si la Torah l'interdit, ça veut dire qu'il y a l'envie. Et la Torah dit, comme l'homme a profité du monde, la femme a profité du mal. Si la femme, la première femme du monde, a profité du mal, ça veut dire que le mal excite l'être. C'est la conclusion, d'accord? Donc si
on a été créé de cette façon que l'envie physique excite l'être. Ça veut dire maintenant que l'être humain doit diriger ou canaliser son envie physique vers l'être qui va profiter de ça, qui va lui emmener l'abondance, qui va lui emmener la richesse, qui va lui emmener la joie, qui va lui emmener le bonheur, qui va lui emmener des enfants. Mais s'il profite de l'être entité invisible, il n'aura pas ni l'argent, ni la joie, ni les enfants, puisque c'est invisible. Au contraire, les entités invisibles, eux, elles veulent voler l'âme. Et c'est très mauvais de faire sortir le liquide masculin où il ne faut pas. Même des fois, je dis aux gens que s'ils n'ont aucune autre façon, et ils sont par exemple célibataires ou je ne sais pas quoi, il est écrit qu'on peut aller dans une autre ville, habillé en noir, et faire ce qu'on doit faire. Mais il ne faut pas oublier que le liquide n'a pas le droit d'être d'or. Seulement... Alors il dit, et la femme, Vezenirmas be pasuk, il y a un pasuk dans Teilim, lo teune elecha ra, venega lo ekrav bo alecha. Et ce pasuk là il dit, Rotzelomar, lo teune elecha ra, shata zachar, ara shi, eshet znunim. Ça veut dire quoi? Que le mal de l'homme, c'est la femme invisible, c'est la femme du démon. Elle a un nom. Venega, et quand on est nega, c'est le démon, lui, l'homme, le masculin, le ekrabo alecha, shi eshtecha, qui ne s'approche pas à la tente, et les tentes, quand on dit une tente, c'est toujours Oel Sara, Oel Shuvolo Alechem, ça veut dire retourner vers vos femmes, quand il y a eu le mont Sinaï, quand on a reçu la Torah, après qu'on a reçu la Torah, tout de suite la première chose qu'Akadosh Baruch Hu dit, c'est... Retournez vite dans vos tentes pour être avec votre femme. Pourquoi? Parce que je vous ai demandé de vous séparer 3 jours. D'accord, il y a 3 jours de limite avant de recevoir la Torah. Il y a 3 jours qu'on, avant Shavuot, il y a 3 jours qu'on est limité, qu'on n'a pas le droit d'être avec sa femme. Mais qu'est-ce qu'il dit tout de suite après qu'on a reçu la Torah? Va vite dans ta tente. Qu'est-ce que veut représenter la tente? La tente représente la femme. Ça veut dire... Va vite récupérer ta femme. Pourquoi? Parce qu'on sait que le liquide masculin vit à une longueur de vie dans le corps de la femme 72 heures. 72 heures, c'est Ein Bet. 72, c'est le Chesed. Ça veut dire que le Chesed de l'homme, la miséricorde de l'homme, adoucit la rigueur de la femme. Mais si on dépasse les 72 heures, et on n'est pas avec elle, la rigueur commence à prendre le dessus. Et là, on commence à recevoir les caractères difficiles, et les femmes disent des choses qui ne sont pas placées, et elles s'énervent, et tout ça. Et moi, je dis au couple, mais tu sais qu'est-ce qu'elle veut, Nahon? Alors pourquoi tu ne fais pas? Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, qu'elle arrête, qu'elle me laisse tranquille, qu'elle me fasse ça, comme ça. Je dis, alors pourquoi tu es marié avec elle? Divorce-toi, laisse-la avoir quelqu'un qui lui donne ce qu'elle a besoin. Et les sages disent que 2 fois par semaine, c'est minimum. Parce qu'on ne doit pas passer 3 jours, la laisser 3 jours sec. On doit tout le temps la nourrir. Et si la femme a ce besoin tellement fort, si elle n'est pas avec un homme, il faut comprendre tout seul qu'il y a une relation avec une entité. Et malheureusement, le monde occidental a, pendant plusieurs ou trop d'années, je pense, enseigne aux gens de se profiter tout seul. Dans les films, dans les publicités, dans l'environnement, l'ambiance, c'est qu'on peut être tout seul, on peut profiter tout seul, on peut voir tout seul, on peut faire tout seul, on peut jouir tout seul. Tout ça, c'est un grand problème. Parce que c'est jamais tout seul. C'est toujours avec ou un homme, une femme et entité. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est, comme on est arrivé à la conscience qu'on veut avoir cette vie de couple ou cette vie intime alignée comme il faut pour profiter, sinon on ne profite pas, d'accord? Et si on veut profiter, on veut effacer toutes les entités qui sont preuves de
les actions qu'on a faites qui étaient négatives. Et ça s'appelle Shovavim. Shovu elai va shovu alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Et la façon la plus belle de réparer ces choses-là, c'est attirer de la lumière. Ça veut dire que je sais que dans les relations intimes, j'ai eu des relations avec l'obscurité. Et maintenant, je veux dévoiler la lumière qui est derrière l'obscurité. Est-ce que je peux lever le voile ou pas? C'est ça la question. Et la réponse est, oui, on peut lever le voile. Il y a 6 semaines par an qui s'appellent les Shovavim, 6 semaines par an, qui sont des 6 semaines capables à faire ça. Et ces 6 semaines-là ne sont pas par hasard. Tevet Shvat, 1 mois et demi avant Adar. Pourquoi? Le mois de Adar, ça s'appelle Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quand le mois de Adar rentre, on doit accélérer la joie, augmenter la joie. Les sages nous expliquent pourquoi une personne n'a pas de joie. Parce que malheureusement, il a beaucoup d'enfants qui sont des entités, qui lui pompent de l'énergie. Et cette énergie va dans l'obscurité. Donc la personne est liée à l'obscurité. Et dans l'obscurité, il n'y a pas de joie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la délivrance de l'être humain, des entités qui veulent l'enterrer dans l'obscurité. On lève le voile et l'être humain se retrouve dans la lumière, dans le bonheur et dans la joie. C'est le but de cette 6 semaines qu'on fait lundi et jeudi jeûne, et il y a des prières qu'on fait. Nous, Baruch HaShem, on fait Tikkun Lamed. On trempe dans les 4 mers d'Israël. On trempe dans le lac de Tibériade à l'aube. Après, on va à la mer Méditerranée, Givat Olga. Et après ça, on fait là-bas la prière. Et après, on va à la mer Morte. Et de la mer Morte, on va à la mer Rouge. Pourquoi tout ça? La mer Méditerranée, le lac de Tibériade représente la douceur. C'est pour ça que l'eau du lac de Tibériade est douce. Cette eau-là, on l'équilibre avec un peu de sel, mais qui est la mer Méditerranée, qui est encore un peu salée, pas trop salée. Après, il y a une mer qui s'appelle la mer Morte. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la mer Morte. C'est tout ce qu'on trempe dans cette mer meurt. Ça veut dire que quand je trempe dans la mer salée et amère, qui est la mer Morte, je laisse là-bas tout ce qui sont les parties mortes de mon existence. C'est magnifique. Donc je peux laisser là-bas toutes les entités et tout ce qui m'embête, puisque quand on trempe dans l'eau, on se purifie. Mais vous voyez qu'il y a des degrés de purification. Et après, on va à la mer Rouge. La mer Rouge s'appelle aussi la mer Souf, Yam Souf. Sof en hébreu, Souf, Sof, c'est la fin. Explique le Ari HaKadosh dans beaucoup d'endroits, il dit, pourquoi la mer de la fin s'appelle la mer de la fin? Parce que le peuple d'Israël s'est délivré du sorcellerie de l'Égypte quand il a passé par la mer de la fin. Il est rentré dans la mer de la fin, il est ressorti et il est sorti nouveau. Il est sorti qu'il n'est plus un esclave. Il est sorti qu'il n'a plus beaucoup de problèmes. Donc nous, à la fin, la fin de la journée, avant qu'on ait le coucher du soleil, on trempe dans la mer Rouge et ça s'appelle la mer de la fin. Et quand on sort de cette mer, on est dans le début d'une nouvelle sphère qui nous entoure. Cette année, Bezrat Hashem, le 10 la nuit janvier et le 11 toute la journée, on va faire ce Tikkun Lamed et on va finir chez un grand ami à Sitré Chaim, Jérémy. Et à Elat, il va nous faire une grande souda. On va aussi fêter les 500 000 vues. On a dépassé les 500 000 vues sur YouTube grâce à notre cher ami Chaya Aaron. Et tout cela pour faire quoi? Pour fêter la délivrance de l'être. Il est délivré de quoi? Il va se permettre l'accès à une nouvelle sphère, que dans cette nouvelle sphère qu'il va vivre, il n'y a plus les entités qui lui prennent son abondance, qui prennent son temps, qui prennent sa pensée. Vous savez que quand un homme ou une femme rentre dans leur tête une onde d'envie physique vers quelqu'un, c'est très très difficile.
C'est très difficile. Les gens perdent le nord. Ils savent plus qu'est-ce qu'ils font. Ils vont comme des aveugles vers cette direction. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi tu vas comme ça? Je l'aime, j'ai envie, je la veux. Cette personne-là, est-ce c'est une personne libre ou c'est une personne envoûtée? Si elle a plus de libre arbitre, elle est plus libre. Et nous, on veut que même quand on est en mariage, le mariage soit un mariage libre de quoi? De force. Je t'aime. On s'est compris? Oui, ça suffit. On va pas toute la journée. Est-ce que tu m'aimes? Tu m'aimes vraiment? C'est vrai? Non. C'est moi? Peut-être c'est pas moi. Tu es sûr que tu as plus? On s'aime, point la ligne. Maintenant on vit. Mais quand c'est avec les entités, ça commence. Elle veut, elle veut pas. Je m'approche, je me rapproche pas. Elle m'aime, je fais comme ça. Et j'ai des gens, malheureusement, qui sont très doués, qui ont la main d'être riches. Ils s'attrapent, ils s'accrochent à une femme. Et la femme, elle commence à les tourner. Le pauvre, il perd son temps. Je dis, pourquoi tu vas vers elle seulement? Va vers une autre. Il n'est pas marié, il peut chercher une autre femme. Je ne peux pas. C'est comme ça. Ça veut dire que malheureusement, il est pris par un détour. Ça veut dire que la force qui est là-bas n'est pas une force équilibrée. Et si ce n'est pas une force équilibrée et que la personne n'arrête pas de fantasmer de l'autre femme, il est lié avec elle un fil invisible. Et maintenant, ils sont accrochés les uns les autres. Donc, on a deux esclaves. On a deux personnes qui sont esclaves. Est-ce qu'on peut, en étant esclave, se rapprocher de notre âme? Non, puisqu'on donne nos sentiments à l'esclavage. Mais si je suis libre et j'ai un amour libre, que je sais que ma femme elle-même, point à la ligne, on n'en parle plus. On ne remet plus en question ça. Qu'est-ce qu'on fait? On évolue notre amour, on évolue nos relations, on évolue notre intimité, on étudie de plus en plus comment faire et quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Baruch HaShem, ça veut dire qu'il y a une bonne relation, qu'il y a une relation de vie. Mais quand, malheureusement, cette relation-là n'est pas en équilibre, maintenant il y a les doutes. Et quand il y a les doutes, on permet aux entités de nous approcher. Pourquoi? On est mélancolique, on est nerveux, on crie. Toutes les ouvertures spirituelles qui permettent aux entités de pénétrer la personne. Et ça, c'est très dangereux. Parce que les entités, il faut savoir, elles ont un but. Te faire plaisir au maximum pour prendre le liquide. À la femme et à l'homme. Et si cette année, Baruch HaShem, les femmes aussi vont commencer à faire cette réparation de 6 semaines, maintenant on va commencer à avoir dans le monde un équilibre de quoi? Féminin, masculin, que les deux veulent se libérer de quoi? Des forces, des entités. Et là on peut avoir des rencontres de être humain à être humain. Et non pas rencontre d'être humain féminin avec une entité masculine, ou bien un être humain masculin avec une entité féminine. Ça fait du mal dans le monde. La preuve est qu'il y a déjà des pays sur Terre que la population ne peut plus se rattraper. À force d'être seul, une génération, deuxième génération, la troisième génération n'arrive plus à rattraper. C'est le Japon, c'est le Corée, c'est l'Europe. Il y a 3-4 pays en Europe que c'est fini, comme il n'y a plus de mariage, il n'y a plus d'enfants. Ça ne se rattrape plus, il n'y a plus de naissance. S'il n'y a plus de naissance, il n'y a plus rien à faire. Donc quand on est dans la solitude, on est dans la destruction de quoi? Du monde. Si on détruit le monde en général, ça veut dire qu'on a détruit le monde personnel. Et c'est quelque chose de très naturel que l'être humain, homme ou femme, veulent des descendances. C'est naturel. Ou bien que l'homme et la femme veulent un couple, veulent avoir quelqu'un à côté d'eux, à leur côté. Le Shlomo HaMelech, le roi Salomon dit, pourquoi il faut deux? Quand un tombe, l'autre
le relève. Quand l'autre tombe, l'autre le relève. Mais quand tu es tout seul, tu tombes, qui te relève? Personne ne te relève. Et surtout pas les entités. Alors ici, il y a toute une étude qui explique, on ne va pas étudier tout ça parce que c'est très très long, mais il y a toute une étude du Rav, du Ari HaKadosh, qui dit qu'il faut faire très très attention de ne pas être connecté ni femme ni homme aux entités invisibles. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on va avoir beaucoup de participants qui vont partager avec nous ce tikkun magnifique, homme et femme. Vous pouvez envoyer les noms, donner les noms et donner le pidyon. Et Bezrat Hashem, qu'on sorte de ces 6 semaines et on rentre au Hadar vraiment en joie. Pourquoi? Parce qu'on est libre de tout ce qui pèse sur nous et qui est invisible. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.